Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Code Vein, où on va acheter des dons sanglants, voilà. On va les acheter, voilà. Il va falloir que j'essaye de maîtriser la plupart des dons de chaque classe, hein. Au moins comme ça, ce sera fait. Ça, tout est maîtrisé, ça. Allez, ça, j'en ai maîtrisé aucun. C'est vrai que je joue pas brut, donc pour le moment, on va pas le prendre. Lui, qu'est-ce qui peut être drôle? Ah, tempête de feu, c'est vrai, il y avait ça. Augmente temporairement les quand votre arme touche un ennemi, ouais. Ajouter des dégâts de feu. Utilise de licor pour affûter temporairement vos réflexes et faciliter l'esquive, ouais. Augmente la force et la dextérité, ça, oui, je veux l'acheter. Parade habile, restaure entièrement l'endurance à chaque parade. Ouais, mais je pars pas, moi. Ok. Ça, c'est quoi? Sacrifier au PV pour gagner de licor. Ouais. Réduit le coût en licor des attaques à l'arme en état de concentration. Ouais. Ouais, elle, c'est beaucoup de trucs anti-poison et tout. Piège empoisonné. Chute amortie, réduit les dégâts subis après une chute. Ouais. Tire venimeux, tire un projectile empoisonné. Ça, je veux bien. Cri sanglant, génère un projectile de sang vicié, direction de la cible. Ça, je veux bien. Ça coûte cher, mais bon. Ok, donc ça, c'est le nocturne. Astrea, qu'est-ce qu'il me reste? Ça. Allonge temporairement les effets des dons. Pourquoi pas? Assaut d'ombre. Charger rapidement à courte portée. Ouais. Augmente les dégâts des absorptions spéciales. Ouais. Bon. Allez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en Louis. Il est où? Il est là. Voilà, ça c'est Louis. Voilà. Alors, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre ça. Non. Tu vas prendre les éclairs d'abord. Ensuite, là, tu vas prendre ça. Là, tu vas prendre ça. Là, ça. Là, ça. Là, là, ça, là, l'ATP, voilà, et ça, ça fait quoi ça? Abandon téméraire. Ouais, mais c'est avec Louis. Les ennemis à proximité apparaîtront sur votre radar, bah prends ça, voilà. Ça, 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 et... ça. Voilà. Hop. Voilà. On se re-soigne et on y retourne. Voilà. Allez, c'est parti. 5 de dégâts à la petite boule de feu, là. Ok, on va voir. Ce que ça donne. D'accord, ça fait pas forcément beaucoup de dégâts. C'est intéressant à savoir. Aïe, oh là là là. Mais ça déstabilise par contre. Ça c'est intéressant par contre. Ok, ça se passe mal. Des chrome 10, j'en trouve plusieurs. Mais ça se met dans quoi comme objet? Ah, c'est peut-être de la des améliorations peut-être. À un moment il améliorera ses armes. Hein. Alors, par contre, on va peut-être changer pour une épée. Ouais. Derrière. Non, c'est ça. Voilà, meurt.
Peut-être changer d'armure aussi. Je sais pas. En tout cas, les armures, elles sont classe dans le jeu. Des grands blousons en cuir, là, comme ça. Elle aime bien. Bon, est-ce qu'on se retente ce combat? Ou est-ce qu'on part de l'autre côté? Moi, je pense qu'on va partir de l'autre côté un peu. Parce que là, on a trop fait ce combat. Et au fur et à mesure, ça va me saouler. Voilà. Et en plus, regardez, il y a un objet à aller chercher. Est-ce que l'ennemi va me sauter dessus? D'accord, c'était un gars qui sautait. Du fromage. Pourquoi pas? On le mangera, quoi. C'est du fromage. Ah ça. Oh, un objet. Un ennemi. Aussi. Fragment. Très bien. Ça m'a pas pris l'objet. Ah, c'était sans doute à lui. Tonic MJ212. Pas le truc qui permet d'apprendre un machin en un coup. Ah! Il y en a avec des lances maintenant. Dès que. Donc c'est comme les bleus là que j'ai croisé dans le gros fight, c'est ça? Aïe, j'aime ça, j'aime ce. D'accord, bon, on continue. Là, il y a une échelle pour descendre. Ah, là, ça nous ramène peut-être. Oh, oui, certainement. Allons par là. Non, ça nous ramène peut-être pas. Si! Clairement, si. Aïe. Voilà, et donc ça, ça nous ramène plus près de la... Ouais, d'accord. De la save, c'est déjà ça. Ok. On pourrait sauter de là. Hmm. Intéressant ça. Ok. Elle a un truc bizarre, non? Elle est pas pareille que les autres, elle. Elle est donc plus forte. Aïe. Zone à proximité cartographiée. D'accord, il y a des ennemis cartes. Anti-venin. Ok. Donc là, on me dit que j'ai pas été chercher l'objet. Go. Bonjour! Activateur de régénération.
Voilà. Nickel. Alors, par là, on a dit que j'avais pas été chercher un objet, donc je vais y aller. En effet. Plus un acier de la reine. C'est pas dégueulasse. Alors. Où suis-je? Dès que c'était le tout début. Allons re-sauvegarder. Parce que on a... déjà, on a plus de régène. Et qu'on a récupéré des trucs. Et comme vous savez, hein, la peur du crash. Bon, le fait de l'avoir réinstallé, ça a l'air de marcher. Donc, bon, pour le moment, on va dire que c'est bon. Tout droit, on sait, ça a été fait. Il y a le gros et il y a l'acier de la reine. Ça a été cherché. D'accord, allons par là. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il y a un objet là-bas, ok. Où est-ce qu'on arrive? Ah, d'accord, ça fait un tour complet. Dakodak. Ok. Ouais. Le jeu me dit t'es obligé d'aller te taper les glandus. Ok. Ouais, parce que là c'est l'ennemi mappé, hein, c'est ça. Je crois. Ouais, si, c'est ça. Donc je suis obligé de me taper cette bande de glandus. Très bien. Bah go. Hein. Invasion. Allez, c'est parti. D'accord. Ça la... Mais pendant... ça la... stun pas. Ça c'est... pas top. Ah, il doit dire. Ok, elle est morte. Aïe. Je vois pas le gros, il est juste là. Ok, elle est morte. Oh, je suis en train de reculer là. Oh, je suis en train de reculer! Ouais, Mia était vaincue, ouais. Je me casse. Est-ce qu'on peut se barrer en fait? Pas l'impression. J'ai pas l'impression. Cette tentative d'arnaque ne marchera pas. Il tente d'arnaquer, hein. Vous le savez. Jusqu'à la fin de sa vie, il tentera d'arnaquer. Vous ne me tuerez pas! Vous ne me tuerez pas! D'accord. Hop! Est-ce que prendre Yakumo serait pas une bonne idée? En vrai. Peut-être. Hein. Oui, je me casse, moi. J'ai pas honte. N'aie pas honte, fuis! Fuis, Aka, fuis! Très bien. Changer de partenaire. Prenons Yakumo. Je sais pas si Mia version blanche elle est plus forte que Mia normale.
Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Alors. Alors. Ah oui, il y a le mec à tuer. Déjà. Il y a lui à tuer. Enfin, lui, elle plutôt. Ça me fait rire ça. Ah, il fait des dégâts lui hein. Ça se voit que c'est la brute hein. Ça se voit que c'est la brute. Espèce de brute. Ouais, donc elle est tout droit est quand même beaucoup plus court pour aller là, ok. Ah, intéressant. C'est intéressant. Moins de combat, on va dire. Hey. Alors, vas-y mon petit Yakumo. Peut-être que toi tu peux aider. Allez, un chien. Ok. Yakumo, t'es où? Ok, je vais me soigner. Vas-y Yakumo, je m'occupe des renforts. Yakumo! Qu'est-ce que tu fais Yakumo? Ok. Très bien Yakumo. Un régénérateur, moi ça me va. Ah, le coup à travers l'ennemi. Ok. Ok, ça c'est mort. Ok. C'est bon. Ok. Passez me. Merci les frames d'en vue. Ok, la roulette qui a pas proc. J'aime ça. Ok. Oh, j'ai bien aimé. À vrai dire, j'ai adoré. L'autre est où? Game. C'est quoi ça? Il a ça lui maintenant. Ils sont combien? Il y en a encore qui arrivent, sérieux? Voilà. Moi je dis, je prends. Et
le gros, il y a le gros. Ah non, c'était Yakumo. Ah, il fait son bouclier. Le mec qui attaque dans le dos, tu le vois pas arriver, c'est un peu dégueulasse quand même. C'est un peu chaud cet endroit. Un petit peu beaucoup. Yo. C'est un peu beaucoup chaud cet endroit. Il n'y en a pas le choix de passer, hein. Clairement. Il faudrait que je me transforme en Brutas aussi. Comme lui, peut-être. Je sais pas avec lequel on a été le plus loin. Après, est-ce qu'on peut tenter on va pas le tenter. En fait, on pourrait tenter de lancer le combat, courir et aller à la deuxième porte. Pour l'ouvrir et passer par là. Mais ça me paraît être une idée de merde. En vrai. Monter, continuer à monter les levels, hein. Je veux dire, ça ne peut pas faire de mal, hein. On sera toujours plus fort. Ouais, ça peut être juste un truc de level, hein. Après voilà, hein. Je sais pas quel niveau on devrait être ici. Je sais pas ce qu'on aurait dû débloquer. Quel bourrin. Après, je peux aussi aller améliorer mes armes. Hein. C'est ce que je vais faire. Je pense qu'on va se téléporter, on va aller améliorer notre équipement. Peut-être même en acheter. De toute façon, ça va vite. Hein. On a vu que ici, ça monte très vite au niveau de l'argent. En tout cas, ça peut être une zone de farm. Tant qu'on réussit pas la zone. Alors 100, 12%. Ok. Et on a tout fait à 100% sauf ça. D'accord. Et on a fait que 12%. Hein, donc il faut voir un peu la taille du truc. Hein. On va essayer d'avancer un petit peu quand même dans le jeu. Hein. Alors. Après, on peut toujours aussi aller faire les DLC. Hein. Je sais pas si. Je sais pas, pareil, je sais pas quel niveau c'est. Alors. Acheter des armes de sang. Alors, j'en ai pas de celle-là. J'en ai pas de celle-là. Mais si, ça j'ai, mais en plus 3. Ok, et en voile de sang, je crois que j'ai à peu près tout. Oh, il y a des trucs verts et bleus et tout. GHX. Ok. J'avais acheté hein, tous les trucs festifs, je crois. Ouais, je crois. C'est quoi ça? Griffe? Lance. Ah oui, c'est peut-être par rapport aux armes en fait. Ah. Mais ça, c'est les autres couleurs. Ça change rien, on est d'accord. Ouais, c'est trois fois le même. Ok. Améliorer une arme. Allez. Si on veut la faire passer en plus 4, il nous faut des aciers. Et ça, des aciers de l'arène aussi. Ok. Ok,
447, c'est bien mieux ça. Hein. Allez. Allez, on va améliorer le glaive. Hein. Ok, et on pourrait améliorer ce fusil. Pourquoi pas. Les épées du crépuscule. Empaleuse plus 4. Ouais, ça c'est la lance. La bardiche plus 2. Bardiche plus 3 déjà. Ça je fais 479. Et ça je fais beaucoup plus de dégâts. Alors vas-y. Améliore la bardiche. Un bardiche plus 4. Voilà. Et à la place du fusil, tu vas prendre la bardiche plus 4. Voilà, plus 208 de dégâts. Par contre, je suis lent avec la bardiche. C'est ça que tu es en train de me dire. Ah. Cadeau. Cadeau, tout prendre. Sauf si je passe en brut. Voilà, lui, là, par exemple. Taper fort. Prenons ça. Augmente la stabilité, ça me paraît bien ça. Volonté de fer. Point de précision. Augmente temporairement votre capacité à faire vaciller l'ennemi. Ok, maintenant, si je fais ça et que je passe en brutasse. Mobilité de base lente. Ah. Téléportons-nous. On va essayer avec, avec la bardiche. Hein. Essayons, essayons. Arrive un moment, il faut tout essayer hein, dans la vie. Alors, là je fais des roulades comme ça, ok. Et avec la bardiche, c'est les mêmes roulades. Donc, bon. Allez, allons voir. J'étais dans son dos, hein. Ouais, ça m'a l'air relativement efficace. On va essayer, hein. De toute façon, des aciers de la reine, ici, on en loot. Alors, bon, voilà, au pire, on ferme pendant 8 heures, on a plein d'aciers de la reine. On améliore tout en armes plus 6, et puis voilà. Hein. Et à un moment, toutes nos armures aussi. Tiens, j'aurais pu améliorer mes armures, d'ailleurs. Plutôt que mes armes. Ça fait quoi, son attaque? Ok. Allez. Une invasion. Alors. D'accord. C'était pas le bon truc à faire. En roulade, en fait. Ça fait quoi, inhibition? Je ne sais pas. Allez, que j'ai compris. J'ai compris ce que ça fait, inhibition. Pas forcément le meilleur des trucs. Hein. Oh, un objet. Une dague. Voilà. Je veux que tu peux être utile, mon ami. Bien. D'accord. Qu'est-ce qui m'a... Il a fait son sort à la con.
Ouais, je suis en pleine roulade, hein. Il peut pas me toucher quand je suis en pleine roulade, hein. Désolé, arrive un moment. Un objet là. Ramasse. Une dague. Le mec est clairement dans mon angle d'attaque, mais moi je le touche pas. Hein. Par contre, vous, quand vous êtes dans l'heure 2, il vous touche. On roule là, putain. Yes. Le gros m'énerve. Les gros sont forts. Hein. Toujours les problèmes, c'est les gros. L'ATP de cet homme, enfin de cet ennemi, est aussi horrible. Ok, ouais. Ça commence à me saouler cet endroit. Moi je vous propose un truc. On va essayer un truc. On va essayer la fuite. Allons chercher l'autre porte et on reviendra là plus tard. Est-ce que ça vous va? Moi je dis que oui. Allez, c'est parti. Allez, là. Okay. On va juste tenter la fuite. Des fois, il faut savoir fuir, hein, et revenir plus tard. Voilà. Hop, une glaive de déchu. Alors, déjà, on va aller chercher ça. Free Yakumo, free. Ah, ce n'est pas par là en plus. Quelle est cette hérésie? Yakumo, Yakumo. Ah non, ah non. Ah, tu ne peux pas me toucher. Ok. Cassons-nous. Mais c'est pas par là? La merde alors. C'est le seul chemin que j'ai pas fait. La merde. Ouais, bon. Repassons par la porte à gauche, là. D'oublier un chemin. Enfin, cette invasion plus tard. Avançons, plutôt. Vous serez d'accord avec moi que c'est mieux. Merci, Yakumo. Et que... D'accord. Merci Yakumo. Heureusement que tu es là. Yakumo le bourrin. Ouais. Ah. Là, il y avait un ennemi, non? Ouais. Yakumo, tu peux le taper, hein, tu sais, c'est pas interdit hein, de taper les ennemis. Ok. Donc, par là, il y avait l'ennemi carte. On est d'accord. Là, on peut sauter pour revenir en arrière. On laisse tomber, c'est pas grave. Là, on était allé. D'accord. Là, c'est l'ennemi carte, on est d'accord. Ok. Là, on peut pas y aller. Là, si on saute, on retourne.
là où il y a l'invasion. Attendez. Allez. Là, on peut aller là sur ce rebord. Comment fait-on pour aller là? Et là en bas. Par là. Attendez. J'aurais juste fumé du mauvais shit et je suis passé à côté de tous les passages. Donc là, il y a lui slash elle, slash le méchant. Donc, là on a été. Là c'est pour ouvrir la porte, on est d'accord. Ok. Là on l'a tué lui ou pas? Non mais non, on l'a pas été là. Je suis con comme un manche à balai moi. Il dit qu'il a tout vu, mais non, absolument pas. Pas écouter ce mec là, il dit que de la merde. Et voilà Yakumo, ça c'est bien. Fais ça plus souvent. Ok, concentré dit que là on peut pas y aller, d'accord. Donc il faut prendre cette échelle, bien. Hop. Voilà. Hop. Je ne peux pas bouger, merci. Donc là, hop. Ok. Un acier de la reine, bien. J'ai dit 1 mais j'avais pas lu le nombre. J'avais acier de la reine, c'était déjà pas mal. Ah, le salaud. Pardon. Et celui-là je l'ai pas vu venir. Ah, mais il nous enchaîne là, il nous enchaîne là. Ok, lui vient sur moi. Je vois rien! Le jeu, c'est dégueulasse ce que tu fais là, quand même, hein! Oh, dégueulasse! Je peux rien faire. Je peux rien faire. Merci! Voilà, quand même! C'est vachement... C'est quand même vachement dégueulasse les deux là. Celui qui arrive mais 10 ans après pour vous attaquer dans le dos avec sa TP. Transperceuse rubélite. D'accord. Hop. Mais ça c'est qu'une carte. Ah mais là il y a une porte. Et c'est la porte qu'on avait vue au tout début. Pour sauter les deux cons, oui, clairement. Ouh, yes. Oui, voilà. Ok. Peut sauter là. Pas du tout où ça me mène par contre. On peut... Ah bah là, voilà, déjà on va continuer là, il y a un coffre. Voilà. Bon, on s'en fout ça, c'est une grosse arme. Mais on n'est pas de ce type là. Donc là, à droite. Hop, on roulade, ramasse l'objet. Babiole insolite, on m'attaque pas, il n'y a pas d'ennemi. Ça aurait pu être un coup de salpe de Trafalgar. Ah. Yes. Ouh. Alléluia. Bon. Déjà pas si mal. Ok, allons ramasser cet objet. Et on va avancer encore un tout petit peu.
Voilà, moi j'ai décidé aujourd'hui d'avancer. Le jeu a l'air de mieux fonctionner. Et donc, ça va très bien. Allez, moi ça me va. Continue un tout petit peu. Là, il y a une porte fermée, on pourra pas l'ouvrir. Hein, on va me dire de l'autre côté. Voilà. Ah! D'accord. Ah! Bah oui! Elle est là. Évidemment. Donc là, il va y avoir des gros mobs. Non. Duc. Duc. Et là, le mob, juste en haut de l'échelle, là, qui fait une explosion et vous envoie dans l'oubli. Non? Ah! Ça ouvre une porte. D'accord, la porte à gauche. Bien. Ok, bon. Pour le moment, ça va. Hein. Et après, après, on ira ouvrir la porte de droite. C'est quoi ce mec? J'ai pas regardé s'il y en avait un autre par contre. Hein. Ça va, il avait l'air un peu nul lui. Enfin, il était un peu plus nul que les autres. Donnez-moi d'XP. Généralement, dans les Souls-like, quand ça vous donne pas beaucoup d'XP, c'est que c'est des monstres de merde. Ok. Là, il y a lui. Lui, c'est un fort. Plus, il a un bouclier! Ok, pas mal d'acier de l'arène, ça me va. On a 40 000 d'argent. De ruée. Je rappelle le nom de l'argent dans ce jeu, c'est les ruées. Alors, là, il y en a un autre. Il y en a clairement deux. Il y en a clairement deux. Qu'est-ce que je disais? Il y en a clairement deux. C'était tellement la même salle que précédemment. Ils nous ont fait le coup d'en mettre deux. Alors par contre, ce qui est très bien, c'est que lui s'en bat les couilles de son pote. Merde, j'ai loupé. Aïe. Très bien. J'ai bien aimé le fait que le mec s'en bat les couilles qu'on lui tabasse son pote. Ok, il y en a clairement deux aussi dans cette pièce. Et là, là on peut tomber. On peut aussi ouvrir la porte avant. Ce qui serait, à mon avis, une meilleure idée. Vas-y, viens. Le tracking. C'est saoulant les ennemis à tracking. Voilà, casse-toi. Allez hop, dégage. Sérieusement, c'est trop saoulant les ennemis qui vous traquent. Ah oui, d'accord. C'est vraiment... ok. Ok, c'est vraiment pour ça. Ok. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là, on a ouvert cette zone. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vais juste passer les levels avec vous. Et ensuite, on s'arrête là. Pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal, non? Voilà, on peut s'arrêter ici. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.